Alors qu'ils pensaient rencontrer le Premier ministre ce matin, les retraités civils et militaires du Grand Libreville ont été refoulés par les forces de l'ordre et de sécurité. Après le rendez-vous avorté du vendredi 7 juillet dernier, ses pères et mères de famille n'ont pas pu discuter de vive voix avec le chef du gouvernement, comme l'explique Simon-Pierre Aubian, qui s'est fait porte-parole pour la circonstance. Non, mais vous voyez vous-même ce qui se passe. Nous sommes les retraités et ça fait depuis pratiquement 8 ans que nous revendiquons nos droits. Je n'ai pas besoin de vous faire la genèse. La semaine dernière, nous sommes allés à la primature et pour rencontrer le Premier ministre. Et comme il n'était pas là, il était avec le président dans la tournée républicaine, il nous a donné rendez-vous vendredi. Donc vendredi, il se trouvait à Makoko. Donc le rendez-vous a été repoussé pour aujourd'hui, mardi. Mais nous sommes surpris avec tout ce dispositif militaire qu'on nous empêche d'aller à ce rendez-vous. C'est ce que nous ne comprenons pas. Nous demandons un peu de respect pour nous. Nous avons servi ce pays-là. Nous sommes maintenant à la retraite. Mais on ne vient pas, on ne demande pas le monde, on ne demande pas de nous aider. Ce sont les droits. C'est comme vous, vous avez votre salaire. À la fin du mois, il faut qu'on vous le paye. C'est ce que nous revendiquons. Son réel interlocuteur, la matinée du 11 juillet a été pour les forces de l'ordre une séance d'exercice militaire sur ces personnes du troisième âge qui ne réclament que leurs droits. Ces derniers n'ont eu pour autre langage que l'usage des bombes et grenades lacrymogènes. Pourtant, les revendications de ces pères et mères de famille semblent toutes être légitimes, telles qu'énumérées ici par l'un d'eux. Oui, nous sommes des retraités, certains depuis 5 ans, d'autres depuis l'année dernière. Nos points de revendication sont simples. On nous donne une pension dérisoire qu'ils appellent pension provisoire. Et nous nous disons qu'il faudrait qu'on nous donne notre pension de manière intégrale. Ils ont parlé d'arrimage, c'est cet arrimage-là que nous réclamons. Nous réclamons également les indemnités de service rendu. Ça aussi, ça ne voit pas le jour. Il y a de cela une semaine, le Premier ministre nous a promis une rencontre au cours de laquelle les leaders syndicaux s'étaient réunis et nous ont demandé de nous retrouver ici aujourd'hui pour le rendu. Malheureusement, vous-même, vous voyez la situation. Au moment où on arrive, c'est les policiers qui se mettent devant pour gazer les gens. Donc, vous voyez comment tourne notre pays. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien. Nous, on évite de faire politique. On ne fait pas politique, mais on nous pousse tous à la désobéissance civile. Parce qu'une telle autorité n'a pas le droit de s'appeler une autorité. On ne protège pas les citoyens. Au contraire, on les maltraite. Les pères de famille, vous avez vu une vieille maman de plus de 65 ans qu'on gaze directement et qui est tombée dans un caniveau. Là, c'est la main de la police. Et c'est eux qui envoient les ordres à la police pour mater le peuple. Je vous remercie. Ce que j'avais à dire. À l'heure où la CNSS connaît de grandes difficultés, ces derniers pensaient trouver là une piste de solution. Pour la suite, une marche dite pacifique a été entamée.